Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Alors, c'est tout vide! C'est tout vide! Y'a plus rien! Mais on s'est fait voler? Y a-t-il un voleur dans le coin? Non. Ah si, mais c'est moi le voleur. C'est pas pour rien qu'il n'y a plus rien. Ça fait bizarre de dire deux fois rien, mais bon, c'est pas très grave. Pourquoi il n'y a plus rien? Simplement parce que j'ai débloqué toutes les... tous les paliers. Donc il dit déblocage des paliers. Il dit forcément j'ai eu de nouvelles productions, de nouvelles machines, de nouveaux trucs, Et je vais devoir refaire des lignes de production. Tout simplement. Donc vous vous souvenez ce qu'on avait fait avec le moduleur, ça s'appelle un moduleur ça, modeleur, pas le moduleur. Ce qu'on avait fait avec le modeleur, pour pas s'embêter, tout simplement excusez-moi, je le voyais en bleu, là ça me perturbait, ça fait des jours que je le vois en bleu, là j'en pouvais plus. Alors on met notre ligne de production, par exemple on met notre constructeur, et on veut que ça soit le plus compact possible, le plus efficace possible. Admettons, ça c'est le premier rang, on a nos constructeurs, on en met 4, on va essayer quelque chose. Hein. On a nos... 4 constructeurs, voilà. Là, ce qu'on veut, c'est récupérer donc les sorties et ce qui a été programmé, par exemple des plaques de fer, j'en sais rien, et pouvoir le renvoyer, renvoyer ce qu'on veut en entrée. Je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est bien que je fasse du 4x4, sachant que, possiblement. Oui, je dis ça comme ça. 4 c'est peut-être un peu trop large, sachant que mon but c'est de le faire plus en longueur. Parce qu'en largeur c'est bien, mais il y a peu de choses qui me demanderont 4 de largeur. Ouais, je vais partir sur du 2 de largeur. 2 ou 3. Non, du 2 c'est très bien. Donc on va partir sur du 2 de largeur. On va admettre que ça c'est la toute première rangée. Donc imaginez, là on a nos ressources qui arrivent. Hop là, c'est la toute première rangée. Là je me pose une question. Bon, c'est pas grave. Si. Je vais utiliser, je dois avoir quelque part, oh putain, alors, ouais, il y a quelques coffres, hein. J'ai dû ranger tout ce qu'il y avait en matériaux, et oh, du premier coup, formidable. On va utiliser ça. Je viens de le re-ranger là, on est d'accord, ouais. En fait, j'ai découvert quelque chose. Ça, on peut accélérer. Voilà. Et qui se recharge tout seul si on est à côté de poteaux, de lieux électriques. Par exemple, voilà, là vous avez vu le petit trait là? Ça veut juste dire qu'il se recharge. Alors, j'ai l'impression que plus on est proche, plus il est chargé. En fait, ça doit être une question de distance et pas une question de... Ouais, ça doit être ça. Ça doit être une question de distance. Y'a pas une question d'autonomie. Bref. Je vais sûrement utiliser deux choses pour la construction des répartiteurs. Forcément, on est un peu obligé. Ouais, c'est limite. Hein. Ouais, bon, si c'est pas centré déjà, ça va pas le faire. Voilà.
Donc les répartiteurs, on va utiliser du MK4. J'ai pas mal de poutres, donc ça devrait pas trop poser de problème. L'arrivée, le but ce serait que ce soit comme ça. Hop. Au niveau de la hauteur, ça m'a l'air correct. Il y a deux choses à penser, c'est l'arrivée et le départ de ressources. Admettons. Hop, voilà, ok. C'est relié là ou c'est pas relié? Je suis pas sûr que ce soit relié. Je sais pas si ça s'est relié tout seul ou pas. On va faire un test. On va le faire à l'arrache pour l'instant. C'est dans le bon sens. C'est bizarre, je vois pas le sens là sur le. On va mettre un conteneur simple. Alors admettons qu'on le mette là, normalement ça s'est arrivé juste devant. On va pas mettre grand chose. Sinon ça va être vite embêtant. Je vais juste mettre ça. Ah yes! Ah ouais, ça marche pas du tout. Eh? J'ai retiré quoi? Le problème c'est que je suis pas sûr que ça fasse vraiment lien. Si ça fait pas lien, j'ai pas envie de le refaire, me le retaper manuellement. Le faire comme ça. Là au moins je suis sûr qu'il y ait... Ah, mince. Sauf si je le mets pas dans le bon sens, effectivement. Bah si, c'est bon. Tac. Là ça arrive comme ça. Là. Quoi? Non, c'est ça, il est pas dans le bon sens. C'est fou ça, j'arrive pas à... Je suis pas concentré. Après, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire de la hauteur? Non. Voilà. Ça me coûtera moins cher. Hop. Ouais. Alors on est centré. Là, ça passera. Là, suffit de dire ok, on tient un truc comme ça. Là. Oh, ça passe tout pile en plus. Ça, ça arrive comme ça, c'est parfait. Là, ça va pas être bon parce que là, si on les enchaîne, enfin, on verra ça un peu plus tard. Et ensuite, il y a le départ, donc des ressources. Donc, regroupeur. Ah oui mais non. Parce que le problème c'est que là j'aimerais bien en fait faire la répartition en hauteur plutôt que le faire en bas. Parce que moi, mieux vaut que tout soit sur la même hauteur en fait, que là ça soit tout droit et que ça se suive. Donc admettons répartiteur. Ouais. Admettons il y a ça.
ça on s'en fiche. Alors si on met là, ça va pas marcher, donc il faut que ça soit là. Le mieux, ce serait comme ça en fait. Sauf que... cette saloperie. J'ai pas géré. Ouais, et là... là, ça a fonctionné là. C'est marrant, c'est que là il veut pas du coup, là il veut vraiment pas. Comment ça, ça marche? Ok. Parce que là j'ai réussi à le mettre le convoyeur, là par contre il veut pas. Alors à moins qu'il s'échoue tout seul, mais je suis vraiment pas sûr. Là c'est pas compliqué. Ça, je vais le faire partir là-bas. Juste le temps de voir si je peux viser le coin là. Non, je sais pas. Je sais pas si là c'est. Là, ça se rejoint bien. Bon, dans tous les cas, on est bon en hauteur ou pas? On est bon en hauteur. Là on récupère. Non, on envoie, mais on ne récupère pas encore. Ça pourrait être sympa de faire la récupération là. Là j'envoie comme ça. En plus ça va, ça fait pas trop. Ça fait pas trop moche. Et là au pire, je peux mettre un. C'est où? Architecture? Ah, c'est peut-être un oui à peine trop grand. à peine trop grand. Petit pilier de charpente. Et ça peut le faire, ça. Franchement, j'aime bien. J'aime plutôt bien. Je vais tirer un... une ligne pour Kevin Lake et recharge mon jetpack, je sais pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle ça? Le réacteur dorsal. Parce que là, arriver à chaque fois ici, je tombe, c'est un peu chiant. Là, en vrai, c'est pas si mal. Ça ressemble quoi? Un peu d'acier. De poutre en acier, ça peut aller. J'aime bien. Ma seule interrogation, c'est là en fait. Est-ce que ça récupère tout seul? Ou alors est-ce que c'est... Non, ça ne fonctionne pas. Je le testerai. Je le testerai. Ensuite, au niveau du regroupement... là c'est pareil en fait, si là ça fonctionne, je suis genre super heureux. Mais j'ai rien qui me dit que ça va fonctionner quoi. Ah ça c'est moche par contre. Ah ça c'est très moche. Là ça fonctionnera encore moins je pense. Alors,
Pourquoi je pense que ça a fait le lien? C'est parce que là, directement, j'ai pas à choisir le l'entrée-sortie, enfin la direction. Ouais, et ça fait aucun effort aussi. Enfin, je sais pas, passe de l'autre côté. Voilà, passe comme ça, je sais pas, genre. Ah, c'est pas ouf. Donc ici, comme ça. Je sais pas ce que ça va donner là. Est-ce que déjà ça va? Là déjà comme ça on est bien. Donc là hélas. Ah c'est... Arrête. Je suis pas aidé hein. Je suis pas aidé par le machin. Ouais, sinon ce que je peux faire c'est le décaler et de dire mais bah ça va là plutôt. C'est moins sympa mais bon. C'est vraiment moins sympa pour moi. Alors. Déjà je vais tester si ça marche. Si c'est pas droit déjà c'est pas... Voilà. Mais c'est encore pas droit. Non mais c'est fou, j'ai quoi dans les yeux là? Dingue ça, un dieu. Ok ça a l'air bon. Là je vois, là on voit le petit passage, attendez, vous savez quoi, je vais essayer de voir, je vais essayer de gruger le truc. C'est vraiment parce que là le lien il est fermé, vous voyez. Là on voit pas du tout, normalement il y a un petit truc, enfin... Tout à l'heure il y avait un petit truc qui faisait qu'on pouvait voir et là on voit plus du tout. Étrange, étrange. Bon, ça ne me sert pas, on est... Alors, je voulais voir quelque chose, par contre, c'est que là, là j'ai de la marge. Là, j'ai genre vraiment beaucoup de marge. Et là, si je fais ça... Ça fait que je rapproche un de plus le machin par là. On va essayer. On va voir si je peux le faire en fait sans convoyeur. Hop, je dois le décaler d'une case. Alors, il est là. En vrai, ça suffit comme hauteur là. Pourquoi je me prends la tête à le faire plus haut? C'était la hauteur en plus. Je sais pas ce que j'ai. Là, si je fais ça. Bah, ça a l'air pas mal. Franchement, ça fait propre. Là, j'ai juste à dire, toi, je continue là. Donc là, c'est parfait.
En train de réfléchir si je le mets par au-dessus ou pas. Parce que là, si je le mets par au-dessus, j'ai forcément besoin de convoyeur. Mais après, si je le mets pas par au-dessus, ça risque de faire très moche. Le défaut, si je le mets par au-dessus, c'est aussi que ça prend beaucoup de hauteur. Ah, ça va en vrai. De toute façon, j'aurai des. Il est possible que j'ai des raffineries, des trucs comme ça. Donc, au niveau hauteur, ça m'en prendra vraiment plus. C'est pas un souci. Hop, on a. On met à la bonne hauteur. Et normalement. Voilà. Voilà qui est mieux. On va faire. Hop. Je trouve ça propre en vrai. Bon. Voilà, je trouve ça vachement propre. 2 de largeur. Là, on a le passage. On va dire d'alimentation. Là, on aura le passage de. J'ai même pas besoin de le mettre là en fait. Hein. C'est. Ouais, si, allez, tu sais quoi. Je vais le mettre une fois. On va gagner du temps. Hop, ça, je peux retirer. Et là, on aura juste à faire la jonction entre là et le prochain. Ouais. Là, comme ça, après, ça ira comme ça. Quoi. Pareil pour celui-là, ça ira pas. Moi, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pourrais le doubler, mais flemme. Enfin, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, le truc, c'est que je vais avoir... Là, sur toute cette longueur, je vais pas avoir beaucoup de choses qui me demanderont... d'avoir plus de, je pense, 10 d'affilée du même type de constructeur. Parce que là, l'inconvénient de ce... Même pas. J'aurais dû penser, mais je disais ouais, mais là l'inconvénient avec avec ça, c'est que je peux choisir qu'un seul type. Par exemple, je peux faire que des plaques de fer. Ce qui est faux parce que déjà, si la consommation est le même, je peux dire, je renvoie autant que ça soit des tiges, des vis, enfin je renvoie tous. Un souci. Ah oui, tiens, on est à l'heure pour les vis. Ah, j'ai vu encore un autre défaut à ce machin, tu vois. Ouais. Ça va être un peu plus gênant par contre. Bon, on parle du premier. Je disais, ouais, mais voilà, si j'ai la même ressource en entrée, c'est bon. Si j'ai pas la même ressource en entrée, ce que je peux faire, ce sera une variante avec des répartiteurs programmables. Bah, pour dire... À gauche t'envoies ça, à droite t'envoies ça. Par exemple, en entrée j'ai autant des lingots de fer pour faire des plaques de fer que des lingots de cuivre pour faire de la tôle de cuivre. Bah là je pourrais me dire, je programme mon répartiteur qui est là. Et je lui dis, enfin là il n'est pas programmable mais je peux en mettre un programmable. Et je lui dis... À gauche tu m'envoies ça, à droite tu m'envoies ça. Et tout droit tu m'envoies le reste, enfin comme d'hab. Hop. D'ailleurs je vais aller en chercher. Ouais. Il me faut des cadres lourds. Ah. C'est toujours la même galère ça par contre pour toi. Ah non, ah zut, cadre modulaire normal. Alors je sais qu'il y en a derrière, parce que tout là-bas c'est du stockage, c'est presque plein. Mais autant utiliser, si j'en ai, ceux qui sont là en vrac. Ah, voilà, j'en ai 15. Euh,
Bon déjà on va sauvegarder ça. Ah putain, ah ouais c'est vrai que c'est une galère à chaque fois pour... Je sais plus comment j'avais fait. C'est du constructeur. Non prog. Sélectionner l'icône. Constructeur, c'est sûr. Ouais. Putain, après par contre, savoir où est-ce que ça se fout, j'en sais rien. Une finale répertoire. Oui. De toute façon, ça marche pas. Est-ce que si je ferme? Non, c'est... Alors, constructeur no prog. Oui, c'est bon. Là, faut que je fasse. Modifier. Ok, je vais essayer de le placer. On va voir ce que ça donne. Alors, le sens. C'est comme ça. Là, il faut que je sois aligné devant. Attends, quoi? Ah, ça me prend moins de largeur que ce que je pensais, c'est cool. Ah, ça me prend vraiment moins de largeur. Ah, c'est... Ah, c'est dommage, ça. Alors c'est bien. Alors, c'est... Ah oui, c'est à la fois bien et dommage. Je vais vous expliquer. Ah ouais, alors ça c'est un peu plus dommage. J'arrive pas à bien cibler le truc. Eh, pourquoi je peux pas voler? Ah, j'ai plus de... C'est pas grave, on va se faire là. J'aimerais bien le voir un peu plus bas, mais... Attends, c'est vrai que si je le place, je vais devoir tout retirer à la main. Dommage. Ok. Ouais, je vais voir si ça arrive bien en bas, si ça arrive bien à alimenter le machin. Je vais mettre un... C'est où? Logistique, organisation. Hop, je vais mettre ça. On va essayer de le centrer à peu près, je sais pas trop où c'est. Ok, je suis centré par rapport à ça. Admettons... qu'est-ce que je fais rentrer? J'en sais rien, moi. Mais merde. J'ai rien, j'ai pas de minerai. Ah, non, t'as vu que j'ai pas de minerai. Attends, il a bien tourné, lui, non? Tiens, envoie-moi du... Ah, merde, c'est du minerai. C'est pas grave, je vais en transformer quelques-uns en lingots. Une dizaine, ça suffira. Oui, on est sur notre alimentation. Lingot de fer. Déjà, ça j'ai nul. Ça reste pas bloqué là. Ça descend. Admettons, là, je dis, je veux des plaques de fer. Ok. Là, je veux des plaques de fer. Ok. Et là, j'alimente. Ça fonctionne. Ça fonctionne. On a vu, ça s'est mis en marche directement. Ça, c'est vraiment. Et je vais ranger le tout. C'est con ça. Ah c'est ballot ça. Ah bah zut. Oh quel dommage. On a réparé la bêtise.
Donc comme je disais, ok, le premier problème peut être pallié avec un répartiteur programmable que je vais... Hop, changer... De suite. Hein. D'accord que sa sortie elle est là. Hein. Dans quel sens ça? Oui. Et là c'est exactement le même. Avec le répartiteur prog. Là, on aura juste à choisir nos entrées sorties. Super. Oula, 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 j'ai une accélération. Hop, constructeur, prog, je sauvegarde le plan. Plan, modifier, tac, 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 tac. Alors un peu plus cher à cause du répartiteur programmable, mais ça c'est pas grave. Autre problème qui peut venir. En fonction de certaines lignes, là par exemple si on produit de la tige de fer, enfin de la plaque de fer, on va avoir 20 productions par minute. Nos convoyeurs en prennent 420. Il me faudrait 24 constructeurs d'affilée. Bon, autant dire j'ai le temps de voir venir. Cependant, il va y avoir des soucis par exemple avec ça. Où là on a 50 vis par minute, et encore, ça c'est, ça... Je sais pas, mettons avec le fil électrique, non? Le fil actif, voilà! Avec le fil actif. Ou bah rien que 10. Rien que 10, ouais, on a... Ça c'est marrant, je bouge pas mais... On est pile à un moment, c'est chaud. Rien que 10 d'affilée, ça nous fera une production de 700. Donc la question c'est, de 600 je veux dire, est-ce que je mets du convoyeur MK5, mais le convoyeur MK5 me coûte très cher en alu, parce que j'en produis actuellement tout ce que je vais faire en alu est à la main, j'ai un petit truc là-bas pour en produire mais c'est fait à la main, donc ça me prend du temps. Ou alors est-ce que je double par exemple les regroupeurs, est-ce que là je me dis ok je mets un deuxième truc de regroupeur. La deuxième solution est cool. Dans le sens où elle est moins chère, mais elle est plus embêtante à faire. Parce que là je dois recréer une deuxième ligne, on va dire une deuxième chaîne de production et j'ai... Et en plus je vais devoir alterner parce que si j'en ai un qui est à la hauteur ici là. C'est-à-dire que tant j'ai le conveyeur vertical qui doit aller une fois celui du dessous et une fois celui du dessus. Bah, autant dire c'est chiant. Donc je vais pas y toucher. Et ce que j'aurai à faire c'est juste là en passant devant je fais les upgrades de mes conveyeurs. Oh, stylé. Par contre ça doit aller à une vitesse ce machin. Dessus, bon là c'est pas le pas sur Nalu, ça reste celui en poutre. Comment s'appelle ça? J'ai déjà oublié le nom. En poutre en béton armé, mais quand même, est-ce que je peux placer? J'ai pas pensé et je vais le faire de suite. C'est les fils électriques. Je vais en placer un là. Et je vais en placer un là. Ici, le plus important, ça va être de les alimenter. Voilà. Ça prend toujours ça de moins. Après, j'aurais juste à relier les lignes un peu plus loin là-bas.
Bon, par contre, je vais sauvegarder. Ah, est-ce que ça me l'a sauvegardé au bon endroit ou alors est-ce que ça me l'a re-sauvegardé Ouais, ça me l'a re-sauvegardé là. Donc je fais ça pour le constructeur prog, je vais charger mon plan constructeur non prog et je vais faire la même chose. En soi je vais rester sur du poteau basique, hein. Je n'ai pas besoin de... Il y a même le passage. Oh, c'est trop bien, on peut passer genre vraiment tranquillement quoi. Ça c'est trop bien. Quand je me rappelle là de ce que j'avais construit. Alors pour le défaire c'est terrible parce que avec les 50 000 pylônes, les 50 000 convoyeurs etc. C'était un désastre pour retirer tout. Ah c'était compliqué. Ça a pris du temps, bon après chill, un peu de musique, un petit stream à côté. D'ailleurs n'hésitez pas, je suis en stream actuellement. Sur la chaîne Twitch. Léviathan61, peut-être falloir que je modifie ça un jour quand même. Il faudra que je me fasse une vraie chaîne Twitch. Un jour. Un jour. Aucune promesse. Que ça, peut-être la flemme. le plan, ça l'a modifié direct là. Ouais. Ah ouais, ça l'a modifié. Ok, on va vider le modeler. Et on va passer... On va passer à... Au type suivant, tout simplement. On va faire les assembleuses. Ah oui, et là ce que j'avais vu, c'est que là c'est un de largeur. Donc là c'était pas un de largeur, ou alors j'ai mal compris. Ah y'a un délire, ah non mais y'a un délire chelou là. Là c'est... Quoi? Non j'ai rien dit, ça devait être un effet d'optique à la con. C'est pas grave. Alors ça va être déjà un peu plus compliqué. Oh non, ça c'est méchant. Ah, c'est pas grave. Ah, ouais, si ça prend un peu plus de largeur, les assembleuses. Ah, en fait, là, on... Je croirais qu'on pourrait économiser de la place, mais en fait il y a les échelles sur le côté. Et pas du tout, on peut pas économiser de place. Ok, non c'est pas ça. Oh putain. Pardon. Je me suis pas concentré. Ok. Alors là si j'arrive à tout. Si j'arrive à tout regrouper là-dedans, là, je suis quand même très fort. En vrai, il y a moyen. Il y a moyen de moyenner. Attendez, je vais mettre l'assembleuse, on va rigoler un coup. On va voir. Peut-être moyen de moyenner, mais ça va être un bon petit casse-tête. J'aime bien en même temps ça. C'est un bon défi, j'aime beaucoup. Parce que là, niveau place... Ouais, pauvre quoi. Comme tout à l'heure, il nous faut nos répartiteurs. Ah oui, mais là on a deux choses. Ah, là c'est moins fun. Parce
Parce que j'aurais bien aimé dire ok, je prends un répartiteur programmable. Et je dis bah à gauche tu m'envoies ça, à droite tu m'envoies ça, et au milieu tu m'envoies le reste. Par exemple, si je veux faire un rotor, à gauche tu m'envoies les tubes de fer, à droite tu m'envoies les vis, mais c'est pas possible. Oui. Faut réfléchir quand même au cas où. C'est peut-être possible. C'est peut-être possible. Mais alors, la prise de tête, les gars. Je suis désolé pour la migraine. Alors. Ah, par contre, la hauteur, ouais, ça déconne pas, la hauteur. Ouais. Et que là, répartiteur, répartiteur. Hop, je vais le mettre comme ça. 3. Et là, si je le fais là, au niveau de la hauteur, ça va pas le faire. Un hauteur de plus. Là on est en plein milieu, c'est moche. Au moins si je fais ça on est correct. Bon là c'est en pente parce qu'on manque de hauteur, ok. Voilà. Là on passe par au-dessus mais ça fait très haut, hein. Ça fait vraiment très haut. Après l'avantage c'est que ça me laisse de la place en dessous. Hop, c'est 4 mètres ça. Ça on en a pas besoin. Là j'aurais dû mettre mon répartiteur pour vraiment pas con de moi. Et répartiteur programmable avec l'entrée ici. Tac, tac. Vous me connaissez, je suis un flemmard. Hop, admettons on est. Non, pas du tout. À gauche on a un type, à droite on a un autre type. Ce qui fait que là je suis obligé d'avoir un autre répartiteur, mais cette fois je peux passer en répartiteur normal. 4 et lui il est où lui fait rentrer ça là, il est bon. Il est pas bon. Là il est bon. Le souci étant... Là... on aura moyen de pouvoir choper le truc ici, mais là c'est pas possible. Sauf si je fais de la multi-hauteur. Je vais essayer comme ça. On va essayer, on va essayer. Admettons que là on ait les entrées. Que là on ait une autre entrée. Là c'est bon pour la hauteur. On va le faire comme ça. Et que là, on est... Putain. Et que là, on est la sortie. Oh là 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 là. Alors, je sais pas si je le mets dans un sens ou dans de l'autre, la sortie. C'est vrai qu'on a un peu plus de place. Je vais mettre temporairement la sortie dans l'autre sens. De toute façon, je bougerai en cas de besoin. Alors, oula.
Ok. Ça c'est pas bon ici. Ça je vais le retirer. C'est bien par contre, ça le fait de pouvoir faire ça c'est super cool. Est-ce que je peux... Je vais essayer quelque chose mais ça part. En vrai ce que j'aimerais bien faire mais là je crois que je peux pas, c'est dire ouais va chanter, va le mettre en dessous là, mais je peux pas. En vrai peut-être que je le place avant. Bon ça par contre si c'est comme ça c'est terrible. Il faut que je me dise qu'il y a une sortie. Déjà ça, ça va me gêner. Donc ça part. Ça partira tout simplement de l'autre côté je pense, de l'autre sens. Est-ce que c'est plus simple aussi que je mette ça en hauteur, que je mette enfin ce en intérieur en hauteur ou inverse? Ça c'est aussi une bonne question. Ça, le répartiteur programmable, j'aurais aussi tendance à le mettre peut-être plus par là. Parce que là le but ce serait par exemple, là si j'ai mon répartiteur, on va dire répartiteur classique. Ah ouais voilà. C'est tout con mais là par exemple il me faudrait mon répartiteur comme ça, un répartiteur comme ça. Parce que là. Comment ça passe pas là? Comment? Oh merde. Enfin, y a pas un peu de l'abus là quand même. Je trouve qu'il y a de l'abus là. Pardon. Ou alors. Là c'est vraiment moche. Ou alors hein, tout simplement comme ça hein, je m'embête pas. 4. Ah c'est toujours le... Ah merde. Je vois pas. C'est fou. Et des fois ça veut pas. Là je suis aligné, là je le retire, là je le repose en fonction de l'ordre de poser ou pas certaines choses. Hop hop, oula, hop là. Ce qui fait que là on a une arrivée. Oula. Oh la complexité de ce truc, ça... Vous sentez le... Hmm? Moi je le sens, hein, la complexité. Hein. j'adore. Vraiment j'adore ça. Ouais. Ensuite, hop, ça je retire le temps de réfléchir. Là il n'y aura plus qu'à alimenter cette partie là et de se dire, je sais pas, moi par exemple ça se barre quelque part là. Ah non, bah non, faut que ça se barre sur le côté.
Ah, ça c'est à côté là, ça va être un peu plus compliqué, mais on va trouver, genre, par exemple, ce sera prendre ça, le faire partir par là. What? Mais attends, comment c'est, comment, what? Attends, what? Oh, il se passe des trucs chelous des fois. Admettons, là normalement je suis bon. Bah, genre que là ça se barrera ici quoi, avec l'arrivée juste en dessous, au-dessus. Admettons que là on est, parce que je suis entré, c'est toujours une question. Tac tac, là on a le répartiteur intelligent, là je suis obligé. Là. Ça, je le refais pour ça. Hop, passe le lien. Il fait que là on dit ok, à droite t'emmènes un type de bazar. Et bah maintenant on va faire la partie à gauche. Et ça c'est moins drôle. Quoique. Je pourrais peut-être faire la symétrie dans le dans ce sens-là. Hein. En vrai de vrai. Dire ça va comme ça. Sauf que ça se barre là. Bah, je vais essayer. De toute façon, si je sais pas, je ne saurais pas. Avec ça qui se barre de ce côté-là. Oula. Ouais. Voilà. De se dire que là, on a un regroupeur. Par par là. Un répartiteur, pardon, c'est pas un répartiteur. Je suis comment au niveau hauteur. Ok, répartiteur. Dans... Alors, ouais. Alors, je vais essayer comme ça, mais je sens que ça sent pas bon. Bah alors, ah bon, ce serait là? Je l'aurais mis là? Oh. Ah, il est plus enfoncé. J'aurais mis comme ça. 1, 2, 3, 4, 7, 7. Bon. Déjà, vous voyez que ça se croise et j'aime pas ça. Or. Si lui il est dans ce sens-là, je suis obligé de faire que ça se croise. Ah. Je peux faire mon entrée sinon de ce sens-là. Ouais. Ah. Comme ça. Oh non, terrible. Oh non, c'est pas vrai, ça recommence. Ah. Attends, mais ah non, en plus j'ai dit n'importe quoi. En plus, non, en plus j'ai totalement n'importe quoi, je peux pas mettre mon entrée là, sachant que j'ai déjà un truc qui arrive. Parce que là j'ai ça et ça. Hein? Ah bah c'est bon, je comprends pourquoi maintenant, c'était déconné. Je suis encore décalé, putain. Ah, mais écoute, comment ça c'est décalé? Ah ouais, non, bah, d'accord. Oui, c'est décalé un peu. Donc là on a nos départs.
Là, on est à l'arrivée. Pourquoi je dis départ alors que ça arrive? Ah, mais là, ça va me bloquer. Voilà, je préfère faire comme ça. Oh, vous le voyez le bordel là? C'est génial. Ah, ça, c'est... Par contre, ça fait où hein? Oh. Mince. Oula. C'est ce que je voulais faire. Ouais, j'ai dû faire. Ouais, j'ai dû faire. Ouais, moi ce qui m'embête c'est ça là, l'arrivée, parce que ça on est censé avoir une arrivée quelque part. Alors, oui, je pourrais dire. On peut faire quelque chose comme. Ça. Ça me paraît déjà haut. Ça me paraît déjà vachement haut tout ça. Parce que là on est en hauteur donc on se rend pas compte. Mais regardez déjà la taille du machin. Et c'est pas fini parce qu'on a les départs aussi à faire. Oh, je les avais zappés ceux-là. Oh là 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 là, c'est terrible ça. Oh là là, ah oui, et puis là on a un truc au-dessus donc non ça marche pas. Oh la vache. Non, 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 j'aime pas, j'aime pas. Là, ça, j'aime pas. En fait, c'est ce passage au milieu là qui m'embête. Faut m'expliquer quelque chose. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ça je l'ai pas mis juste en dessous en fait? Enfin, alors je m'évite un cassage de crâne là. Alors il faut que je sois bien foutu par rapport à là. Hop, c'est là. 1, 2, 3, 4. Et là je mets je peux pas mettre mon... En fait, je peux le mettre. Ah oui mais non. Ah. Ah mais non, mais si, c'est bon, je sais pourquoi. Est-ce que je dois le prendre sur le côté? En fait, ça va être du coup ce qui fait que c'est l'emplacement de celui-là qui m'embête. Après... Là, admettons, je fais ça. Là, déjà, je vais pas me prendre la tête. Parce que si je fais comme ça. Hop. Voilà, ça, déjà, on a. On a nos alimentations là. On a nos deux alimentations. Et ça, c'est vraiment pas mal. Maintenant, le plus difficile, c'est de dire ok, maintenant comment j'alimente? On a un répartiteur programmable. En vrai rien du tout. Enfin, y a pas de en vrai ou pas en vrai là, c'est la merde. Parce que ça là, je suis censé le faire alimenter
On va se le faire alimenter là, là. Ah non. Donc ça marche quoi, c'est... pour celui-là je veux bien parce que la hauteur est bonne. Mais pour l'autre je vais galérer. Hein. Je vais galérer. Alors. On est comment? On est comment? On est là. Tac. 1, 2. Je sais plus. Moi. Ça paraît pas bon ça. Ouais. Oh si c'est bon. Oh la vache. Ah, j'ai eu de la chance. Je sais pas comment. Comment ça se fait, mais. Mais j'ai réussi à l'avoir. Hop. Donc là, ce que je fais, c'est un convoyeur là. Lui qui se barre là, lui qui se barre là. Ce qui fait que ça, c'est bon. Maintenant. Non, c'est celui-là. Allez choper. Je peux me mettre en hauteur et le faire descendre. Ouais mais non. Parce que si je le mets en hauteur et je le fais descendre, ça me tire trop pentu. Je peux le faire descendre et le mettre en hauteur. Moi je peux le faire descendre du coup. Genre oula. Le convoyeur est trop incliné. Sans blague. Oh merde alors. Ah ouais. Ah ouais c'est vraiment... Ouf, hein. Ça arrive pas... Attends j'étais là non? Faut que je teste tout de suite, j'ai pas le choix. Alors ça passe mais ça se chevauche. Je vais le décaler de 1, je pense que ce sera bon. Ça se chevauche. Fais chier. Ça se chevauche plus. Ah, ça se chevauche. Parce que ça chevauchera tout le temps. Voir si j'ai moyen de gruger. Hein. En forçant un peu la forme du convoyeur. Voilà. Pas faire beaucoup mieux. Alors j'ai pas vérifié si ça chevauchait ou pas. Mais. Ouais, normalement c'est clairement mieux. Par contre la pente. Même le truc là il est en mode. Alors oui, par contre. Attends, je comprends. En vrai par contre je comprends pas qu'on puisse mettre un truc comme ça. Ah, y a des mystères des fois, y a des trucs que tu peux pas faire alors que ça paraît très logique. Il y a des trucs que tu peux faire alors que c'est totalement illogique. Ah, ah ouais, ouais. Non. Alors, oui mais non. Tac, tac, oh, terrible. Non, oh non, oh non, alors ça c'est pas cool. Ah ouais, mais non, mais non, mais non, mais non, alors non, je suis pas d'accord. Oh non, terrible. Oh, j'étais si proche. J'étais si proche de la réussite. Là, vous voyez, il faudrait que je le mette à peine plus loin, là, tu vois. Juste là. Juste derrière. Juste là. Par contre, alors, on va voir si on peut le corriger. Parce que là, on est comme ça. Tac, tac. Je me trompe pas, je suis comme ça, non? De vrai
Est-ce que là j'ai moyen de le placer sur le côté? En appuyant sur... non. Non, c'est centré toujours. Ah, c'est vache. Attends. Mais je m'en sers pas encore ça. Je peux le retirer. Vu que j'ai pas de lien encore. Alors, à vue de nez, à vue de mon gros pif, ça doit être là. Hein. Pas du tout. À vue que mon gros pif est peut-être un peu tellement gros. Que je n'ai pas réussi à voir devant moi. Après c'est bien, tu vois, on me dit ouais tu vois pas plus loin que le bout de ton nez. T'inquiète, il y a de la distance. Oh merde, ça c'est pas mal ça. Tiens, je retiendrai. Oh non, c'est moche. Oh. Oui, mais après, ouais, c'est forcément moche. Enfin, c'est normal que ça soit moche. Pas forcément moche, mais c'est pas normal. Rien, moi, si c'est là, après. Ça fait haut, hein. Ça fait vraiment haut pour le coup. Raté. Raté. Oui, raté. Il me faut un de plus. Par contre, ça là, ça, le... Oh non, c'est bon, j'ai déjà donné. En vrai, le jetpack pour construire, c'est du feu. On est d'accord, c'est là où je l'avais déjà mis. Hein. Ça, c'est... Alors ça c'est de la triche. Oh non. Je voudrais juste que ça soit beau. On peut pas tricher conventionnellement, on triche autrement. Voilà. Surtout que c'est que pour placer en plus, c'est ça le pire. Hop. J'ai pas d'OIMO aujourd'hui. Oh là là. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, faites un effort. Ah mais non. Mais pourquoi? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine envers mes constructions? Il y a vraiment une case là que je peux pas choper, c'est... Ah, ah. Normalement, je suis censé pouvoir le faire autre part. Et c'est aussi pouvoir le faire comme ça. Voilà. Yes. Ok, ça c'est beau. L'assembleuse comme elle était, alors dans le bon sens peut-être, et voilà. Mais comme dirait l'autre, ce n'est pas fini, parce que là on a fait l'arrivée à peu près propre, à peu près, hein, proprement, voilà, très approximativement à peu près, c'est quand même vachement beau. C'est quand même vachement haut. Là si je monte sur la machine...
ça le fera. Et j'ai encore le la sortie des ressources à faire. Et alors là les gars, c'est la mouise. Non non, en vrai ça va aller. En vrai ça devrait pas être si compliqué que ça. Voilà, déjà la sortie on l'a fait là-bas. Ça c'est bon. Ça c'est Attends, je suis en train de réfléchir à un truc, j'ai pas genre des des supports muraux, des supports murales, des supports muraux. Non, ça peut me servir. Bon, là on a notre groupeur. Là, ce que je peux me faire simplement, c'est me dire. Et coucou, tu arrives. Ouais, je peux vraiment pas le faire très haut. Jusque là, et là, oh non. Ah, j'ai plus de poutre en béton, mince. Bonjour, bonjour, poutre en béton armé, s'il vous plaît. J'en utilisais pas mal mine de rien et ça va me coûter cher en poutre tout ça. Je suis en train de me dire ça passe pas, il y a un truc qui est pas pareil, c'est pas normal. Si si, tout va bien, tout va bien. Merde, hein, pas du tout. Pas comme ça que je voulais faire non plus. Voilà. On va faire comme ça. Ah yes, bah non. Bon. Faisons le plus simple pour commencer. Hop, je suis à la bonne hauteur. Je suis à la bonne hauteur. Coucou à toi. Pourquoi vous voulez toujours me compliquer la vie sur les trucs simples? Moi je suis quelqu'un de gentil, j'ai rien fait. Enfin, je n'embête pas mon prochain. S'il vous plaît, mais ou un sniff. Allez. Alors, là déjà ça a l'air un peu plus simple à placer. Si je me trompe pas, j'ai plus le compas dans l'œil ou j'ai le compas dans l'œil? Ah, j'ai le compas dans l'œil. Aïe. Ouais, j'ai fait le compas dans l'œil. Bref. Ouais bon ouais, là on va pas chipoter hein, c'est parce que le truc là il est... Voilà. Que si on prend le convoyeur MK1, voilà ça passe. Même le MK3 il passe. Voilà, ouais, le MK1 là ça passe en dessous, y a pas de problème. Voilà, ils sont dit tiens on va foutre du matériau en plus parce que YOLO. Non. Ah, oh, hein. Oh, ok, hein. Et là maintenant je dois le faire monter. Oui bah oui. Oui carrément. Oh non. Je vais dire en vrai. Et même peut-être. Non en fait c'était pour autre chose mais non. Et là je me disais je le fais passer comme ça et l'autre je lui fais faire le tour. Bah oui. Bah en vrai oui. Putain. Tant qu'à faire. Non mais. Pourquoi se prendre le chou? Regardez, regardez. Oh, ça marche tout seul. Oh, magnifique, comme dirait l'autre. Et ça. Et ça, juste du coup. Arrête de dire du coup, c'est chiant. Du coup. Ouais mais non. Attends est-ce que... Ah putain. Ah non.
Ah si. Ah. Ah. Oh. 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 Si. Oh putain. Oh purée. C'est pile. C'est tout pile. J'avais peur que ça sorte de la zone, mais pas du tout. Ok. Donc là, on est. Ah, là. Là, il faut trouver l'en face là. Allez, super. 1 et 2. Là, ça passe bien. Hein. Parce que vous en pensez, moi j'aime bien là. Ah oui, d'accord. Mais il a son jetpack, il vole, bah, il a plus besoin de manette. Parce que... Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, on est. On a le regroupement de ressources. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait tout ça pour rien. Oh, c'est terrible. Vite, comment ça, job, tu as fait tout ça pour rien? Je te comprends pas. Et ça va être pareil pour l'autre. C'est mon problème là. Aïe. Putain, je vais me défoncer le pied là. Voilà. Que là, je vais les mettre derrière. Là, je vais en remettre d'autres derrière. Là, des. Là, si je les fais par 4. En fait, il faut juste que je m'arrange pour les faire par deux. Parce que si je les fais par 4, bah, ça va me servir à rien. En fait, j'ai que la moitié. Si je pouvais faire la jonction derrière, ouais, je dis pas non. En fait, c'est ça là qui prend trop. Donc en vrai. Et ça. Et pour le reste, c'est bon. Ce qui fait que moi là quand je vais construire mes lignes de prod, ma chaîne de prod, j'ai placé les deux premiers les premières assembleuses. Ensuite tac 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 tout va suivre. Tac 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 tac. Ah, j'adore ça. J'ai mis de la prog. Attends. Attends, qu'est-ce que j'ai foutu là? Pourquoi j'ai un groupeur là? Ouais, c'est un groupeur ça? Oui, ça c'est un groupeur. Là j'ai mon répartiteur programmable. Et en dessous j'ai mes répartiteurs normaux. Ah, c'est bon ça. Alors pour un but d'esthétisme. Celui-là est quand même un petit peu de peau en l'air. Léger. Peut-être faire un petit truc là quand même. Non, c'est bon. Ah, pas moyen de choisir la taille. Bah, je trouve pas ça trop ouf. Puis en béton. Pareil, je choisis pas la taille. Support de pilier. Non, trop large. Et en métal. Mais il n'y a pas de différence entre le pilier en béton et le pilier en métal. Enfin, à part la. Alors, cette. Avec les coups de garde-corps. On s'en fout. Plus ouverte. Mais c'est moche, enfin, on est d'accord, tu passes à travers, genre. Là, J'ai pas encore l'intérêt de ce truc, tu dois en avoir. Mais je l'ai pas encore. Là, là on a des trucs pour skatepark. Pour skatepark, pardon. Pas mal non plus. Si, allez, allez, on va laisser ça comme ça. On va faire de la lime. Ah mince. Ah mais là je suis en train de me dire avec ça là.
C'est vrai que c'est moche. Alors oui, alors non, j'ai pas visé là, s'il te plaît, respecte-moi un peu. C'est que là ça va là. On va faire ça. Là ça va aussi. Ma question c'est, et là si je tire un truc là qui va là. Est-ce que ça passe au bon endroit? Ça je le retirerai dans tous les cas. Est-ce que ça passe? Oh c'est magnifique. Oh, oui. Oh je le laisse. Ah je laisse ça comme ça de ouf. Ça passe en plein milieu. Ah attendez, mais oh, attendez, j'ai vu un truc là qui est pas. Ah! Mais pardon? Mais c'est quoi cette connerie là? Bah. Ah les mecs, enfin. Madeleine. Madeleine. Tu vois, là que ça rentre là et que ça ressorte de l'autre côté, je dis pas. En plus, en vrai, c'est stylé. Y a pas mieux, quand même. Enfin, genre, un truc comme ça, là. Ouais. Trop coûteux. Connecteur haute vitesse. Ça va, ouais, là, ça va la tête. Hein. Ah, mais c'est parce que c'est du MK machin, là. Alors que si je fais comme ça là, est-ce que... Ah faudrait que je sois à l'intérieur. Non, bon, c'est pas là. Ce sera très bien comme ça. Moi je trouve ça très beau. Voilà. C'est comme son bébé, on le voit. On dit il est magnifique, même si il est dégueulasse. Rien à foutre. C'est très beau. Oh, la désillusion est totale. Non, en vrai, ça va. En vrai, là. Ouais, mais faut pas titiller. Faut être indulgent avec soi-même. Voilà. Assembleuse. Assembleur, assembleuse. Jamais moi. Assembleuse. Assembleuse. Sélectionner l'icône, assembleuse. C'est ça. Attendez, hein. Ah oui. Ok. Juste avant de finir avec l'épisode, parce que là, en 1h30, on aura fait que deux ça. Pas que deux chaînes de prod. Ce n'est pas assez. Je vais charger les deux autres plans et je vais juste les modifier. Comme je vous le disais, ça on s'en fout. Faites pour ça. Donc ça. Ça. Voilà. Ça aussi. Attends de voir si ça le fait. Ah, tiens, j'ai oublié de. Mettre un truc là. Mettre un pylône. Raté. Ouais, je dois faire un effort, mon ami. C'est pas vrai, ça. Ah là, mon gars. Quand tu veux, tu peux. Ça, je sais plus du tout lequel c'était. Hein? Comment ça se fait que j'ai un home? Sauvegarder, sauvegarder, constructeur prod. Charger un plan. Constructeur non prod. Hop. Même chanson.
Voilà. Avec le pilier, et le pilier, si je me trompe pas, il fallait qu'il soit là. Yes. Non, si c'est pour la ligne, ça sera pas bon. Contre les poteaux, là, je les aime pas. On va voir si je peux les placer plus là. Ouais, ouais, ça fait plus beau direct. Enfin, ça fait moins moche, mais enfin. Voilà. Hop là! Et je vais faire pareil pour l'autre. Regardez le plan, non prog, confirmé. Alors j'ai un plan. Prog. Hop, coucou toi. Voilà. Ok, ce qui fait qu'on aura nos trois plans, on aura fait trois plans, donc les deux constructeurs. Oui, les deux constructeurs, donc avec un répartiteur programmable et l'autre non. Ah, on a lequel? Ah, on a le programmable, un répartiteur programmable et un autre non. Bordel. Ah, j'ai pas fait le lien. Putain, heureusement que je vérifie mes trucs des fois, moi. Putain, c'est fou. Ce qui fait que dans l'autre, c'est bon. Connecteur prog, constructeur prog, constructeur non prog. On va charger. Et je suppose que. C'est cassé. Là, je. Là... What the fuck? Alors, attends. C'est ça, les trucs ils disparaissent alors qu'ils devraient pas disparaître. Il y a un petit bug visuel et un petit bug là sur le modeler. J'ai fait le nom prog. Non. Là. Ouais, le bordel là. Imaginez à retirer là tous les petits trucs là. Ça là. Ça, tous ces petits trucs là. Là 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 là. Ça là. Une chier pas possible, je vous le dis. Bref, chargé. Ah, je sais pas ce que ça va donner là. Pourquoi dans un ça me le demande et dans l'autre ça me le demande pas. À tester. Je peux le tester de suite hein, d'ailleurs. C'est vrai que... Voilà. On vide tout, je reprends tout, on va tester les plans. D'ailleurs que je vais redéplacer là. Alors toi par exemple tu vas juste te mettre là. Prog, tu vas te mettre à la place. Avec les clous constructeurs non prog. Ah bon là, on s'en fout si c'est centré ou pas. J'ai même pas vu dans le bon sens. Ça a l'air dans le bon sens. Ah, je suis plus libre en termes, mec. Ça dépend dans le bon sens. C'est pas grave. Bon, maintenant ma question c'est. Allô? Merci, je préfère. Ça alimente bien tout là.
Ça a l'air. Zut. Orga, 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 conteneur. Hop, on s'en fout. Les lingots. C'est magnifiquement bugué. Alors j'aime beaucoup parce que ça fonctionne, mais on est d'accord que là ça devrait jamais passer. C'est Et à retirer par contre ça c'est un plaisir, je suppose que ça part en beaucoup moins de fois quoi. Hop là. Oh, c'est un vrai plaisir à retirer par rapport à l'autre bazar pour parler poliment. Ok, donc un plan est bon, constructeur prog, parce que j'ai fait le nom prog. Hop. C'est pas passé hein. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est pas passé. À moins que ce soit buggé visuellement. Ce qui fait que là en fait. Non, pour moi c'est pas du tout passé. Là si j'alimente et je dis que je fais ça. Ils sont tous bloqués, je sais pas où. Quelque part là-dedans là. Ah terrible. C'est bloqué, c'est que je suis con. Pas du tout que ça s'est bloqué. C'est que effectivement, si je programme pas, y a rien qui va sortir. Mouche mouche. Aïe. Attends, y'en a 9 dedans? La vache. Bon, je vais le tester. Je vais le retester en. En le programmant, effectivement. Ah. Excusez-moi, je t'ai oublié. Non. Plan. Les prog. Dans quel sens? J'en sais rien. Oui, si, ça doit être là. Répartiteur. Hop. Voilà. Je te fais ça et là, tac 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 tac. Et oh oh oh. Ouais, enfin, là il y a du foutage de. Hein. Là si je mets aucun. Y'a rien qui sort. C'est quoi le délire? Est-ce que un répartiteur programmable quand il est placé il veut pas? Il dit non. Y'a tout dedans, on voit y'en a 9 des lingots là et y'en a un ici. Ah c'est terrible ça. On va réessayer. Un problème dans ma chaîne de production. Pourquoi ça fonctionne pas? Alors ici, on retire, je veux rien. Ici, je veux tout. Ici, je veux tout. Et là, je crois que je suis obligé d'actualiser parce que c'est à moitié buggé et de dire là, je veux tout, là, je veux tout. Et une fois qu'on a mis tout et tout, ça fait tout tout. Pardon. Ça y est. Yeah. Pourquoi j'en ai plus d'un côté que de l'autre, je sais pas, ça change en 10.
Mais c'est un détail, c'est un. Voilà, c'est un détail. Là j'en ai 4, là j'en ai 2. Là j'en ai 4, là j'en ai 0. Faut pas s'attarder sur les détails. Et on a pour terminer nos assembleuses, notre bordel, si je puis dire. Là c'est la sortie, donc là c'est l'entrée. Je suis plutôt content qu'il tient vraiment sur peu de largeur. Ah mais c'est la sortie là, non? C'est pas... Non, non, ça c'est l'entrée. Ah, si, c'est ça. Hop, ça prend quoi au niveau de largeur? Ok, non, mais il y a vraiment un truc. Non, rien dit. Là, j'aurais juste à mettre mes assembleuses devant. J'ai un répartiteur programmable qui est barré quelque part là dans le coin. Fais-moi le plein d'ex, s'il te plaît. Est barré là. Là, là tu me mets rien pour l'instant, tu me mets tout. T'actualises parce que sinon il va pas être content. Hop, là. Il me faut un truc pour monter là-haut. Non mais ça va, ça va. Allez, hop, je te rafraîchis un peu. De toute façon on s'en fout là, c'est vraiment du test. Ah ouais, ouais, bon bah par contre je devais quand même devoir monter pour voir le résultat. Peut-être. Non mais sérieux? J'arrive plus. Ok, c'est monté, c'est descendu. Ah, c'est là. Vous voyez, c'est arrivé là. Là j'en ai 3 ici. Et j'en ai 7 de l'autre, c'est ça? 3 ici. Eh. Quoi, il reste là-dedans là? Faut pas chercher à comprendre. Il doit être. En fait il doit être barré là-dedans, là, quelque part là-dedans, et c'est compté comme étant furien. Moi je vais pouvoir retirer tout. Oh merde. Et j'ai failli retirer tout ce qu'il y avait derrière. Là. Ah là par contre à retirer c'est un peu moins drôle. Ah, surtout quand on retire des morceaux de plafond, c'est pas terrible. Mais pourquoi ça m'a fait retirer celui derrière là? Il est loin d'ouf. Ah merde. Voilà. Toi tu viens, et est-ce que j'ai bien récupéré tous mes lingots? Oui. Ouf. Et eh ben voilà, on a terminé pour l'épisode d'aujourd'hui. Sportif, n'est-il pas. Dans les prochains, parce que je suppose que va peut-être me falloir encore un ou deux épisodes, on pourra continuer sur la façonneuse. Le packager, je m'en fous. J'utilise pas beaucoup. La raffinerie, oui. Important. Le mélangeur, c'est un peu particulier ça, le mélangeur, mais ouais je le ferai. La fonderie, ça devrait être rapide. La fonderie avancée, l'accélérateur de particules, je sais pas encore trop comment ça fonctionne, donc ce sera pour plus tard. Donc il nous reste encore 4. Ça peut facilement faire encore 2 épisodes. En fonction de comment j'avance, tout simplement. Parce que là on aura le même délire avec la fonderie avancée que pour l'assembleuse, c'est-à-dire on a 2 entrées. Mais maintenant que je sais à peu près... je suis même en train de me dire, j'aurais peut-être juste à... En fonction de la taille. Parce que ça, on a ça qui fait une certaine taille.
Et 5 en fait. Ah, pas la même. Ah, dommage. Bon. Obligé de refaire pour la fonderie, mais la fonderie avancée qui fait. Un peu plus d'un de largeur. On va dire 1 et 2 de largeur. Avec l'assembleuse qui fait. 1 et 2 de largeur. Ouais, d'accord, c'est la même largeur les deux. Ouais. Je pense que pour la fonderie avancée et l'assembleuse, j'ai juste à switcher les machines. Mais on verra ça pour le prochain épisode. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce petit théorie chaining de production. Je sais pas comment ça s'appelle. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, même si je verrai pas vos commentaires avant un moment, parce que là je tente ça vraiment pas mal en avance pour les vacances d'été. Mais à me dire vos petites astuces, si vous en avez, comment vous faites, etc. C'est bien d'échanger. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. C'était Tiom. Allez, ciao.